Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est du Darkest Dungeon. C'est un jeu, hein, c'est un jeu comme vous pouvez le voir, il y a l'image. Bon, je suis un peu con. Donc c'est un jeu qui a un accès anticipé, que je ne connais pas, je l'ai pris parce que j'ai vraiment trouvé la patte graphique juste excellente. C'est un donjon crawling RPG. C'est en roguelike, voilà ce que je sais. Et d'après ce que j'ai pu lire, parce qu'il y avait un petit. Je vous ai zappé l'introduction parce qu'elle n'est pas spécifiquement très très intéressante. Ça disait au début que le jeu était vraiment très très dur. Que c'était fait pour qu'on en chie en fait. Et que les morts étaient permanentes. Donc écoutez, on va découvrir le jeu un petit peu comme il est. Alors, clic. Ah, mais attendez, j'aimerais juste avoir les options graphiques par contre. Parce que j'ai pas. Alors, moniteur number, j'en ai qu'un. Ce serait bien, tu sais, t'appuies et puis t'as un deuxième moniteur qui s'affiche. En vrai, tu sais. SFX volume, musique, narration, cinématique, enable, enemies attack action. Ça, je pense, c'est pour le debugging. Extra bark time, ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Clic. On va mettre le nom. Est-ce que de non? Ah, tu t'as vu comment je suis en génie. Je sais que c'est un RPG par tour par tour. Ah, ah bah il y a une introduction. Il y en a une deuxième alors. Ah, tout ce que j'ai entendu dire c'est qu'il était vraiment très très dur. Et je l'ai surtout pris vraiment pour la patte graphique que je trouve vraiment excellente. Serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Bon, comme ça va être une découverte, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Press space, press space, clic, continue. Ah, putain, quel con. Alors, il n'y a rien pour avancer, clic sur une autre pièce. Ouais, donc c'est. Je dis c'est un roguelike, puis on peut pas vraiment savoir ce qui va arriver dans les autres salles. Bon, je pense là c'est un peu le tutoriel. J'ai un petit peu vu le début sur une vidéo. Là, je sais que c'est le tutoriel, donc move. Brigands have run up these lanes. Alors, Keep to the side presse dites-moi choix. Ouais, bon, AD. Si tu préfères la souris, tu peux cliquer. À l'avant de ton team, de ton équipe, pour la bouger. Ok, donc on peut soit à la clavier, soit à la souris. Putain, je parle comment débile. La patte graphique est vraiment excellente. Attends, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, c'est les attaques Smith. Mêlée. ACC bas, je pense qu'AC, c'est de accuracy. Donc, les chances de toucher. Self. Monster type, une holy donc contre les morts vivants. Contre ceux qui sont pas au lit, quoi. Non, mais quand tu le dis, en français, ça fait complètement contre ça, les monstres qui ne sont pas au lit. Mais genre, tu sais. Donc là. Lui, c'est un personnage qui a l'air complètement ranged. C'est-à-dire qu'il se bat à distance, tu vois. Comme ma déduction étant finie. Donc je pense qu'il y a un truc qui doit être aussi important, c'est l'ordre de tes personnages. Ah, il y a un monsieur. Alors, donc lui c'est un brigand qui coupe les gorges en fait. Ah merde, il m'a mis une claque. Donc je vais faire en... Alors donc, combien un seul... Les combats sont basés... C'est du combat par tour. Une fois que c'est le tour du héros, clique sur l'icône du skill et clique sur le... Là, si tu peux pas sélectionner un skill particulier, c'est à cause que le héros doit être dans une position différente. Ou qu'il n'y a pas de skill valide. Mouse over the skills. Passe la souris sur le skill pour voir le recrutement. Donc, alors. Je vais le lancer. Attends, c'est un.
Je vais lancer. Ah non, est-ce qu'on peut faire un... Ah non, je peux choisir un, voyez, oui, trois. Je peux choisir avec les touches. Avec les numéros au-dessus, t'as des touches, t'as ton clavier, puis t'as des numéros au-dessus. Puis t'appuies dessus. Non, je vais arrêter mes conneries. Donc, voilà. Là. J'aime bien l'effet quand tu tapes. Donc là, The Succession, Stunning Blow. Je vais faire en Stunning Blow. Là, j'ai quoi Bulwark of Five. Ok, donc je vais faire en Stunning Blow. Normalement c'est la stun, voilà. Ah non, il a résiste. Ce qu'il a, ah ouais, donc il a 25% de chance de résiste. Grip shoot. Putain, j'ai du creep, crap. Grip shoot blast. Je vais refaire open wides. Victoli. Donc take all. Putain, la patte graphique est vraiment excellente. Alors. Quand tu explores, tu vas trouver souvent des objets interactifs. Clique ou presse W pour les investigations. Putain, pour les. Comment tu dis en français? Pour les examiner, voilà. Check a look assistant. Donc là. Check inside. Leave nothing unchecked. Donc j'ai eu la monnaie. Après, je sais pas comment ça se passe. Si. Je sais que, par exemple, admettons que 10 masses, là, ils se fassent péter la gueule et puis ils décèdent. Et puis que lui, là, Reinhold, se fait péter la gueule et il décède. En fait, j'aurais dû dire pour les deux personnages en même temps, mais bon. Est-ce que t'es game over, ou alors... je sais même pas ce que je dis, en fait. Non, mais est-ce que t'es game over, ou bien est-ce que le jeu a un système de save, tout ça? Enfin, on verra bien. Donc, alors, comment est-ce que je vais dans l'autre room, par contre? Ah, il fallait que j'appuie en haut. Ok, j'avais pas vu le background. Ah, il y a un combat. Ok, donc, lui, il a moins de vie, je vais me concentrer sur lui. Pistol shoot, on va faire ça. Ah, il a non, mais c'est du cheat, il a dodgé mon stunning blow. Je vais le mettre sur lui parce que je pense qu'il fait mal. Tu vois, il est un peu plus gros. J'utilise une logique de merde. Ah bah merde, il résiste. Il a combien de résiste au stun? 25%. J'ai vraiment pas de chance. Ça c'est quoi? Ah, apparemment, ça c'est un truc du splash damage. Donc c'est une away. Je pense que je vais faire pistol shoot sur lui parce que... Voilà, ça fait mal. C'est très efficace comme dirait l'autre. Ok. Ah oui mais non, faut pas... Ah mais merde, il m'a changé de position. Ma logique voudrait que le... Que lui, il faudrait que je le bouge en arrière. Je vais essayer de le stun. Va te faire mettre. Faudrait que je vais le changer de position, lui. Comment je fais pour le bouger? Je peux pas, attends. Ah, voilà. Ah oui, mais merde, ça bouffe en tour, en fait. Bon, ça va, j'ai eu résiste. Smith, je sais pas ce que c'est ça. Ranged, j'ai pas envie de tester. Torch plus 5, self plus 20% de défense en fait. Voilà, il est stun. Lui, je vais faire ça parce qu'apparemment ça fait du bleed. Bleed, je sais pas comment tu le dis. Essayer de faire le coup de base. Fait bien plus mal. L'OST est pas mal aussi. Essayez de faire cette attaque. Voir ce que c'est. Ouais, je pense que c'était l'attaque de zone en fait. Qui est pas terrible. Ok, ça change de position. Là, je pense que j'ai pas besoin de tourner. De changer de tour, je devrais pouvoir l'avoir comme ça. Waouh. Ah, ça a fait mal. Ok. Ok, take all. Est-ce que je peux changer de position? Voilà, au moins je peux. Le chest. Alors. C'est un piège. Ah merde, je suis quest complète. Click to exit dungeon. Ok. Bon, voilà, toi, déjà le premier coffre que tu as eu. C'était un piège. Quelle bande de salopes.
Donc j'ai eu 5000. J'aime bien le EA. Ça me rappelle. Ça me rappelle en certains MMO quand ils mettent EA à la fin. Il faut simplement dire ish. Donc 2 Resolve XP. Qu'est-ce que j'ai eu avec lui? Warrior of Light. Alors, quand la lumière est au-dessus de 75, plus 10% dégâts. Ah oui, j'ai aussi lu qu'il y avait un système de torche. Et que si tu avais pas assez de lumière, en fait, le personnage devenait stressé. Et tu avoir des putains d'effets négatifs super super lourds. Donc il faut faire gaffe à la torche. C'est juste un tout petit truc qui me rebute un tout petit peu. Alors. Welcome home, such as it is. Ruines, ruines. Donc les ruines ont été débloquées. Ok. Donc là, les quêtes. Ok. Ok, alors, et comment est-ce que. Ça c'est. Ah ah ah! Alors. Ah, je te sais, contextual health, potential mode health. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le sanitarium. Ça c'est le sanitaire, l'abeille, l'église, la guild. Blacksmith, donc complètement orchestré. Ok, donc on a pas tout de suite. Les nomades. Les putes en fait, la taverne. Recruit New Zero. Alors. And men, soldiers and outlaws. Fools and corpses. All will find their way to us. Ok, donc apparemment, ouais, je peux pas lire en entier. Ah non, je porte des autres personnages, donc je porte. Stage coach, c'est quoi ça? Alors, ok, je comprends. On va prendre elle, donc. Hop, on va prendre ça. Donc, ils sont gratuits, hein, je prends. Où est-ce que je mets ma. Mais attends, où est-ce que je mets mes personnages pour prendre. À moins que c'est déjà dans ta team, une barque. Ah, voilà, si. Je prends lui. Je pense que c'est l'ordre qui va être avant. On va essayer de faire comme ça. Le piaf, je sais pas si c'est en piaf. Hein. Provision. Provision. Alors. Tu vas prendre des suffis différents, dépend où tu vas aller. Et quand la durée de la quête. Tes préférences, blablabla. Toujours prendre de la bouffe et des torches. Hein. Donc il dit conseil de prendre 8 food, la bouffe et 4 torches. Ok, donc on va prendre 8 bouffes et 4 torches en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est alors? Use Counterblade, Poison, Toxin. Ok, Anti-Venom. Ok. Ok. Utiliser. Débloquer les portes. Donc, ouais. On va prendre 5 parce que voilà. Une barque. Bon. Merde, j'ai pas vu quel quête j'avais pris, quel con. J'ai cliqué où? Je sais même pas ce que je dois faire en fait. Est-ce que je dois tout visiter? J'ai même pas vu. Et donc, je peux. Retirer du combat ou bien abandonner une quête si les choses vont mal, blablabla. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, faire 100% des salles. Écoutez, on va commencer à gauche. Ah, là, il y a un item. Ah, c'est vide. Est-ce que je peux aller? Attends, je suis où là? Je suis un peu de la peine avec le déplacement en fait. Ok, donc là je suis là. Ça veut dire quoi? Je vais pas visiter ça, non? Ah, ok, attendez, genre quelque chose. Est-ce que je peux. Ok, apparemment. Oh putain, on va revenir en arrière. Je vois pas. Ah, mais peut-être que. Ah, ouais, peut-être que j'ai commencé là en fait. J'en doute, on va voir. Ah, attends, regardez en bas. Il y a le truc là qui bouge apparemment, ça c'est moi. Ok, ah bah il y a une map. C'est bien, mais sauf que ça me dit pas. Alors, non, ça me dit pas ce que c'est en fait. C'est des icônes, ça me dit pas. Écoutez, on va continuer. Ah bah il y a un fight.
Alors, ok, donc apparemment c'est un... ouais, Plague Doctor, c'est un personnage qui bague du poison. Bleeding Gas. Est-ce que ça c'est une attaque de zone? Non. Ça c'est une attaque de zone, donc je vais faire l'attaque de zone. Voilà. C'est du poison. Le Crusader, je vais taper normal avec. Lui, ah ben putain, lui il est pas dans le bon. Waouh. Il faut que je le change de position, oui, je le ferai après. 3 sur 8, 10 sur 10, je vais éliminer lui. Ah, je peux pas. Ouais, il faut que je vire de position là. Elle a quoi alors? Divine Confort. Ok, donc lui, elle, c'est une healeuse. C'est une sorte de Battle Priest d'ailleurs. Ça a l'air d'être une sorte de Battle Priest. End of Light. Ok, donc ça fait mal sur l'Unoli. C'est du Splash Damage. Et il a Dodge. C'est un connard. Et il m'a fait mal. Ouais, lui, il faut que je le change de position. Confidence surges as the enemy crumbles. Donc en gros c'est le truc de lumière en fait. Partie heal. On va tester ça. Ça il a combien? Ouah, le soin il est tout pourri. Cette fight était plutôt simple. Ah, il faut que je change de position. Non non, pas comme ça. Ah putain, j'ai un peu de la peine à comprendre. Lui, tu bouges là, comme ça, je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Ah, ok. En tout cas, la patte graphique, je la trouve vraiment excellente. Pour le moment, le jeu, je le trouve vraiment pas mal. Là, j'ai de la peine à comprendre la map, là, en fait. Je suis où? Je pense que j'ai commencé là. J'aurais dû aller là. Est-ce que je peux aller là? Attends, voir. Alors, la lumière se fait, se barre là. Ok, donc plus ça devient sombre, plus c'est. Ah, ok, ouais. Donc, je vais utiliser une torche. L'inventaire, c'est comment? I. Ah, I. Putain, je suis en génie. Je suis en génie. En fait, il y a là aussi. Ah, bah oui, il y a l'interface en bas. Alors, écoutez très bien. Ok, donc, essayez de... Disons, ah, j'ai pris lui parce que lui, tu sais, il a la gueule du scout, tu vois. Ok, on va essayer d'aller là. Ah ouais, je comprends. En fait, j'ai commencé tout à gauche. Ah, c'est bon, je comprends. Alors, Ranger. Hit. Ah ouais, 4! Attends, j'en ai bouffé combien là, de food? Waouh. Ah oui, mais un pour chaque personnage, donc j'aurais dû en prendre plus que 4. Je crois que je commence à comprendre. Ça a vraiment pas l'air facile comme jeu, en tout cas. Donc, on va aller là. Là, ah. J'ai vraiment de la peine avec l'interface et la map par contre là pour le moment. Il n'y a pas un truc là derrière. Peut-être prendre une torche. Waouh, ça descend super vite. Ça descend vraiment super vite. La map est grande. Non, ça a l'air d'aller. Est-ce que j'ai fait ou bien? Ah, ben, tiens, encore un fight. Donc là, il faut que je fasse tous les fights. Le con derrière, faut que je l'élimine assez vite. Donc, elle, Divine Confort. On a flight. Ouais, mais elle a... Ah, putain, elle a pas une bonne position, elle. Ouais, je sais quelle position je vais mettre après. Résiste. Lui, il est pas mal. Bon, là je fais un peu n'importe quoi. Ça c'est de la OE. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tirer. Ah, merde, il résiste en fait. Faudrait que j'arrive à éliminer. Non, mais il résiste.
Bon, que j'arrive à éliminer lui. Merde, j'aurais dû faire l'attaque de zone en fait. Faut que je me gaffe. Ah oui, mais lui il est quasiment mort. Heal. Ouais, mais comment. Le heal. Ah non, c'est ça. Ah ouais, le soin est merdique. Battlefield Medicine. Ok. Bon, j'aurais pu faire un peu mieux parce que là j'ai tout mis sur l'autre. Du coup, par contre, ouais, je trouve comment soigner entre les combats. C'est de soigner lui. Mais là, le soin est. Le soin. Ah ben le dodge, c'est bien. Le soin est vraiment merdique. Ça sera que dalle. En tout cas, pas maintenant. Faut que je rechange de position en fait. Elle va là. Non. Toi, tu vas là. Non. Toi, tu vas là. Non. Pas copain. Non. Toi, tu vas là. Toi, je vais te mettre là. Voilà, c'est bien. Où est-ce que toi là? Par contre, y a pas moyen de soigner. Ah, j'ai plus de food. Peut-être c'est une torche. Ok, qu'est-ce que j'ai eu? Tata, antique hall. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, confession, bouffe. Bon. Egomania purged. Ok, je sais pas ce que c'est, mais bon, j'ai eu un truc purgé. Oh, ça va être. Ouais, ça arrête d'être. Ouais, bon, ça va être un peu plus dur. Donc. Le problème, c'est lui qui a. Ouais, je suis obligé de le soigner. Mais le problème, c'est que j'ai tellement en soin de connard. Par contre, je vois qu'il n'y a pas de level up apparemment. Petit truc qui m'inquiète un peu. Range. Alors. Target. Ok, ça, ah bah ça c'est bien parce que ça stun, ok, donc faut que j'abuse de ça. Enculé. Ouais, sauf que j'aimerais bien savoir comment je pourrais le soigner plus que 2 points. Lui va sûrement crever, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je... Bon, lui c'est celui qui a le moins de vie. Ça c'est là, oui. Voilà. Sauf que lui va sûrement crever. À part si bien sûr il dodge toutes les attaques, ça c'est bien. Il faut toujours dodger toutes les attaques. Ça c'est pas bien. Faut pas taper. Pas taper les gens qui sont avec moi. Yamete. Ah oui merde, ça change de position. Ah oh, bollocks. Alors attends. Je vais faire le truc d'Aoe. Il y en a deux qui ont dodge. Je vais bourrer les soins en fait avec elle. Apparemment la position interfère sur le soin. Ça par contre c'est pas bien. Tiens, ici ça. Ah! Ce que je pourrais faire c'est. Ouais, parce que lui va crever. 17, 7. Elle, c'est pas la plus chiante. Lui est chiant. Mais c'est qu'elle a 7 HP. Par contre, elle a énormément de dodge. Et j'ai 67% de chance de la toucher. Merde, elle a survécu avec un point de vie. Le problème, c'est qu'il faudrait que. Ouais. C'est quoi ça? Take aim, melee, c'est. Ah ok. Par contre, elle a un putain de dodge, l'autre connasse derrière. Le problème, c'est que je vais foutre en soin. Ah, ouais, partie heal, 1, 2. Faudrait que j'arrive à éliminer au moins un truc. Le Crusader, je sens qu'il va crever, c'est quasiment confirmé. Judgment. Self. Ah, c'est que pour elle, ok.
Bon, j'ai pas le choc de rebalancer en soin. Putain, le soin de 1. Ouais, mais lui va crever. Lui va crever, tellement confirmé. Ah, parfait, il est en derrière position. Je veux dire, je suis un peu plus safe. Par contre, là, j'ai plus rien. Là, ça fait un de moins. En tout cas, le système me plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment pas simple. Surtout que je suis qu'au début. Ah non, Kréna, quand ton personnage est réduit à 0 HP, donc ils sont à la porte de la mort. Dans cet état, ils vont se souvenir. Ok, donc s'ils prennent un dégât de plus, ce personnage, il est capoute. Permanent. Donc là, il peut rien faire dans cette position. Je vais faire ça. Je vais foutre lui en bleed, en bled. Et il résiste. Ah, et bled résiste. Putain, j'avais même pas vu 100%. Donc ça change de position. Dazingla, est-ce que je peux le soigner lui? Non, je peux pas. Je peux pas passer le tour du personnage. Ah, il a 1 HP. Est-ce que je peux passer le tour du personnage? Non, je peux pas. Culé. Donc shoot. Ah putain, ah oui, mais il résiste. Il a combien de défense en fait? Elle sert à rien dans cette position en fait. Ok, donc on va essayer Judgment. Non. Dazzling Light. Ce qui a l'air plutôt pas mal. Bon, ben, tiens, ça sert à quelque chose. Putain, il... Non, mais merde, quoi. J'ai pas envie de le perdre, le Crusader. J'ai vraiment pas envie de le perdre. Citrine. Alors, comment est-ce que je peux manger? J'aurais dû prendre plus de food. En fait, bollocks. J'ai changé de position un peu. Je vais mettre elle ici un petit peu. Non, parce que le Crusader, il me le faut en premier. Toi, tu reviens ici. En fait, je pense qu'il faut vraiment déclarer. Une movable helmet, Bounty Hunter only. Comment t'équipes en fait? Y a pas un menu de personnage? Bounty Hunter. Voilà. Comment? Ok. Bounty Hunter, c'est quoi lui? Alors, Highwayman. Ok, donc c'est que pour Bounty Hunter. Ok. Là? Non? Attends, je suis où là? J'ai vraiment de la peine à savoir où je suis en fait par rapport. Center the map. Je suis là? Il faut que j'aille là, ok. Par contre, ça fait quoi si je fais ask? Ah non? Parce qu'il disait le truc d'abandonner la mission. Ok, donc avec Q. Ah, ok, donc avec Q, W, tu choisis la cible. Oh, der. Bon. Alors. Ok, pour une fois que ça touche correctement. Ah, il y a quoi qui était utile? Je crois que c'était ça. Blinding gaz. Non. Battlefield médecine. C'était pas censé être une zone, ça?
Judgment. Ah, je suis poison apparemment avec lui. Stun sur elle. Non, je peux pas. Smith. Je sais ce que je vais faire. Le problème, c'est que le buff est pas énorme par rapport à ce que tu... Ah putain! Par rapport à ce que tu gagnes. Ah, j'en ai désorienté un. Hein. Que du stun. Dazzling Light. Par contre, lui est à combien d'HP? Ah, je peux pas vérifier. Bon, Dazzling Light. Je devrais pouvoir tenir place de soin à 1. C'est pas vraiment ce qui aide le plus. Smith. Lui est plus chiant. Le cultiste, je vais l'éliminer. Merde! Je vais l'éliminer au plus vite parce qu'il est plus chiant, je trouve. La conne derrière a énormément d'esquive, mais c'est. Ça reste encore plus gérable. Bah, il est mort avec le poison. Voilà. Ouais, par contre, j'aurais dû prendre beaucoup plus de bouffe. Anti-venom, gold, jade. Ok. Bah, sauf que là, j'ai. Oh, derp! J'ai pas vu le piège. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le truc d'abandonner la quête, tu sais. Parce que j'ai pas envie de faire tout ça, si t'abandonnes. Knof shit, hein. Ce n'est pas un. J'ai eu peur. Ah, c'est des effets qui. Attends, il a plus 15% de. Stress Hill. Ou l'explorer. Donc, t'as les traits, un peu comme. Les traits comme dans. Non, ça me fait penser un peu les traits de Valkyrie Profile. Ne sait pas nager. Bien. C'est ce truc du genre. Par contre, là, je suis vraiment dans le caca. C'est vrai que t'as des snitches dans ce map. Ah putain, y'a pas moyen de descendre sur la minimap. Ah putain, mais j'ai pas vu. Ambushed by foul invention. Là, je suis vraiment dans le caca. Ok. Ah, j'ai eu une torche. Pas que j'oublie le truc de la torche, je l'oublie. Ça me fait penser un peu à. Comment ça s'appelle ce point and click? Ils ont refait récemment le. Ils l'ont refait récemment. Je l'avais commencé, je l'avais trouvé pas mal, mais j'ai pas eu le courage de continuer. Ah putain, c'est déjà quoi ce point and click? Plus de ça, il a une putain de bonne musique. Ah putain, j'ai oublié le titre, putain, j'ai un trou de mémoire là. Oh bollocks, oh putain, ça va être relou là. Bon. Ok, enculé. Oh merde, lui il est dans la merde. Bon. Rect. Alors, ok. Waouh. Bon, je vais quand même continuer parce que c'est la découverte. Je recommencerai une partie comme par règle. Je vais quand même essayer de faire ce combat. Le problème, c'est bon, lui déjà. Elle. Ça doit être une femme, je dis que c'est une femme. Stun base. Ouais, ça fera déjà ça. Le heal. End of light. Alors, monster une oli. Ah, oh, mais non, mais. Hmm.
C'est ça, il a eu un debuff. Alors je sais pas ce que le debuff fait, mais bon. Bon, j'ai perdu mon Crusader là, ça me casse un tout petit peu les couilles. Je vais refoutre le stun. Le problème c'est. Je ne peux pas, donc je vais faire ça. Putain, elle a un land dodge de malade la conne. Que donc il m'a lancé en gobelet. Oui, je sais que l'exposition est maudite, hein. Non mais il n'y a pas besoin de le dire, c'est pas c'est moi qui joue. Il faut que j'arrive à... Voilà, parfait. En plus de ça, le blade c'est super utile. Bleed. Pourquoi on se fait chier d'avoir perdu mon Creusa, putain. En tout cas, le jeu est vraiment super prenant. End of Light. End of Light. Pas te faire mettre. Voilà, j'ai enfin. Voilà, j'ai réussi à toucher le plus chiant. Enfin, pas le plus, celle qui fait plus de dégâts, mais celle qui. Lui est lourd aussi en fait. Je vais prendre lui parce qu'il est lourd. Ah bah putain. C'était efficace. Apparemment, j'ai eu un heal où je sais pas trop ce que c'était ça. Expedition at least promises success. Ok. Alors, Crest assigné un. Ok, donc je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Mais j'ai eu. Ah, par contre, faut prendre bien plus de ça comme item. Ah, bon, on arrive apparemment dans la dernière salle. Move. Oh non, merde! Et merde, je suis surpris. Donc je vais pas avoir l'avantage. Et je suis... Ah non c'est... Ah bah merde, là ça pue le... ça pue un peu. Là ça pue un peu énormément. Putain, j'ai fini le donjon et je me tape en... Une surprise, battle. Bon. Là le problème c'est que je suis vraiment dans une position de merde. Je vais y aller YOLO quoi. Si je crappe c'est pas grave, de toute façon là c'est vraiment pour tester, je sais que je vais recommencer. Je sais que je vais recommencer une partie en lisant beaucoup mieux les menus que j'avais dans la ville. Et lui le problème c'est qu'il est vraiment dans le caca. Ils ont combien de points de vie? 15. Ouais, ça fait vraiment pas mal ça. Le problème c'est que je vais en toucher 2. 3 ouais. Pourrais stun. Ça c'est moi, j'ai l'avantage d'avoir stun les deux range. Le problème c'est toi t'as moins de vie. Le problème c'est que l'attaque que je fais là ne sert à pratiquement à que dalle contre eux. Donc, je vais bourrer stun là. Est-ce que ça stack les stun? Non, si un personnage est stun et si tu relances une attaque stun, il gagne un résiste. Ça touche 3. Touche pas le monsieur qui est quasiment mort parce que sinon il va crever. C'est pas bien, faut pas. Bon bah je vais faire l'attaque de merde qui sert à que dalle. Hein. Bah ça fait un de moins. Non, le problème c'est que je pourrais la changer de place mais je vais perdre en tour et j'ai vraiment pas envie. Et merde. Putain il a dodge, c'est bien. Le système est vraiment ultra. Et va te faire mettre. Ok, donc lui est mort. Selfish. Donc, ça, c'est les effets négatifs à la con. Alors, quand ton héros ne peut pas supporter le stress, il devient 9. Ouais, donc, ouais, comme j'ai dit, ça te fout des putains de statuts négatifs ultra, ultra casse-couilles. Donc il faut les traiter en ville, etc. apparemment. Toi t'as moins de vie.
système de stress, c'est un petit truc qui me plaît pas trop, par contre. C'est juste un tout petit truc que j'apprécie pas vraiment. Alors... Ouais, c'est juste un truc qui me plaît pas. Là, le problème, c'est... que je suis tellement dans le caca. Waouh, je suis tellement dans la merde. Je sens qu'on va terminer sur un game over. Ouais non, là oublie, je peux rien faire, je suis combo vidéo. Je suis combo vidéo. Bon bah écoutez, game over. Game over. En tout cas, le jeu est vraiment, mais vraiment super dur, quoi. Je suis tellement mort. J'ai dit que j'étais tellement mort. Est-ce que je vais crever? Non, mais tu sais, genre je vais dodge tous les trucs. Ça va être l'infini. Ouais, mais là, je peux rien faire, quoi. What? Je vais mettre 3000 ans, tu sais. Non, mais attends. Non, mais. Pourquoi je crève pas? Ah, voilà. Ok. Non, mais ils sont tous morts, hein. Ils sont tous morts. Donc, ouais, il faudrait que je regarde un peu mieux le menu parce que là, peut-être que j'ai pris une quête un peu plus dure. Tout à l'heure, on est débloqué. L'abeille est débloquée. Ok. L'abeille. Stress relief. Hein? Ok, alors. Ok, je vois ce que c'est. Je crois que je vais regarder un petit peu parce que c'est un petit peu confusif. Rapyard. Donc là, ceux qui sont morts. Donc t'as le détail. Ouais, moi je vais me recommencer pour faire un peu plus gaffe parce que là, il y avait 2-3 personnages que j'avais pas trop envie de perdre. Taverne. Donc là, pour... Ah ouais, donc pour enlever. Ok. Guild. Ouais, je vais recommencer de mon côté, comme ça je vais un peu mieux voir ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment mais super super hard. Ok, donc là c'est l'inventaire. Ah ouais, non, c'est assez... Ah ouais, j'ai aucun personnage en fait. Ah si, j'en ai qu'un seul. Ah non. Attends, c'était où tu recrutes tes personnages? Stress recovery. Ok. Le problème c'est... Ah non, c'est Stash Coach. Ah donc là j'ai le nouveau personnage. Mais moi je vais recommencer de toute façon. Ok, je vais le recommencer. Le jeu est vraiment pas mal. Après il a l'air vraiment mais super super dur. Je vais regarder 2-3 tutos. Pour un petit peu ce qu'il faut juste au début, ce qu'ils disent à peu près de faire. Voilà. Bon bah moi je vais continuer un peu mais je vais arrêter là. Donc bonne soirée. Voilà.